Le dernier jour d'un condamné. Chapitre 1. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plombe à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi misérable et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillée et pille mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée, écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trempe grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giverne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Avant d'entamer l'analyse de l'incipit de l'œuvre, je rappelle que Le dernier jour d'un condamné appartient au genre littéraire roman à thèse, vu que l'auteur défend une thèse qui a une portée universelle, c'est-à-dire qui vise tous les condamnés sans exception. Il s'agit bien entendu de l'abolition de la peine de mort. Dès lors, le type de texte dominant est bien sûr le type argumentatif. Le chapitre 1 débute par une précision sur le lieu, Bicêtre. Le lieu, bien sûr, où se trouve le personnage principal qui est le condamné. Il est alors dans un cachot à Bicêtre depuis 5 semaines. La structure du texte confirme le recours de Victor Hugo au monologue intérieur. Pourquoi le monologue intérieur
tout simplement pour s'insinuer délicatement dans l'esprit du condamné, afin de comprendre comment vivent-ils l'enfermement, comment vivent-ils l'expérience de l'incarcération. Ainsi, le narrateur condamné s'adresse à soi-même dans un récit où abondent les énumérations, les idées juxtaposées et aussi remarquons l'utilisation d'une ponctuation inhabituelle et fréquente. Ce condamné attendant son exécution nous livre un diagnostic complet sur la souffrance morale du condamné, qui nous présente un tableau comparatif sur sa situation d'autrefois, lorsqu'il était libre, lorsqu'il avait le droit de penser à ce qu'il voulait, et bien sûr sa situation actuelle, qui est complètement opposée à la première. Il s'agit de sa situation de prisonnier, privé de toute volonté de penser librement. Alors, dans cette partie-là, il insiste sur le fait que l'enfermement et l'incarcération ne touchent pas uniquement son corps qui est offert, mais encore, elles touchent gravement son esprit. Le paralyse, l'obsède, le honte, le prive de toute pensée libre. Donc, le condamné, en attendant sa sentence, doit penser tout le temps à sa condamnation à mort, qui lui était rappelée sous toutes les formes où son esprit voudrait la fuir, comme il disait dans le texte. Puis, cette idée qui l'obsède reparaît dans ses rêves sous la forme d'un couteau. Ce couteau, bien évidemment, c'est le couteau de la guillotine. C'est la partie tranchante qui va mettre fin à sa vie. Dans ce sens, remarquons l'usage des figures de l'insistance, telles la gradation, l'anaphore. Ces figures de l'insistance sont utilisées pour mieux exprimer la force de cette idée obsessionnelle qui est celle de la condamnation à mort. Pour ce qui est de la visée de l'auteur, elle est bien entendu, on le rappelle, elle est celle de défendre une thèse qui a une portée universelle, à savoir l'abolition de la peine de mort, sans bien sûr avoir aucun souci lorsqu'il s'agit du condamné, son nom, son crime, sa classe sociale ou autre. D'où donc l'anonymat de ce condamné. Alors, dans ce chapitre, la visée de l'auteur est renforcée par la représentation minutieuse de l'idée obsessionnelle de la condamnation à mort, dont le but de toucher les sentiments du lecteur, de l'émouvoir pour susciter sa pitié et l'amener à adhérer complètement à la thèse défendue par Victor Hugo. Par conséquent, le registre pathétique est mis en jeu pour renforcer cette idée défendue. Voilà pour le chapitre 1. Merci pour votre attention et à la prochaine.